Eh bien salut tout le monde, c'est Choco, je suis vraiment content aujourd'hui de vous retrouver sur la chaîne pour une vidéo tuto pour l'installation du véhicule Ford Ranger ONF. C'est parti, on y va tout de suite. Alors ce véhicule il va remplacer simplement le véhicule des Park Ranger, le véhicule d'origine que GTA nous fournit dans le jeu. Donc on y va, première partie. La première partie elle va consister à télécharger ce véhicule, cette texture. Donc le véhicule est un véhicule créé par British Gamer 88 que je remercie vraiment beaucoup pour son travail. Il nous fournit les templates, donc ça nous permet de faire les textures après. Donc pour cela, vous allez vous rendre tout de suite sur le site de la Baroteam dans la partie mode. Donc voilà, je clique sur la partie mode. Vous avez donc pas mal de véhicules et vous allez sur l'article qui concerne l'Office national des forêts. Une fois que vous avez cliqué sur cet article, vous avez donc accès au mode. Vous avez donc les screenshots qui concernent ce véhicule là. Donc il y a une version avec un coffre ouvert et une version avec le coffre fermé. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne, mais en tout cas moi j'en ai fait spawn plusieurs à la fois et j'en ai eu plusieurs différents. Donc voici le fichier. Vous avez cliqué sur télécharger. Voilà, tout de suite maintenant. Vous avez, si vous êtes sur Chrome, vous avez le téléchargement qui va démarrer en bas à gauche de votre écran. Ce fichier, vous allez le placer tout de suite sur votre bureau et l'extraire. Donc, dans la partie 2, on va passer à l'installation du véhicule. Donc, cette installation, elle se fait à partir du logiciel Open4. Donc, on a pu le voir dans mes précédents tutos. Donc, si vous ne l'avez pas vu, allez-y. Tout est décrit dans mes vidéos. Donc, vous avez donc téléchargé ce fichier que vous avez mis sur le bureau. Vous l'avez extrait sur votre bureau. Donc je vais vous montrer que le fichier que j'ai extrait sur mon bureau est le bon. Mais avant ça, on va aller dans le dossier mode X64E level GTA 5 véhicule. Et on va aller regarder, donc on va aller chercher le fichier P-Ranger. Donc vous tapez P-Ranger, vous ouvrez le premier fichier qui apparaît. Et vous avez le véhicule d'origine de base qui est disponible dans GTA 5. Donc le véhicule des Park Ranger américains de Los Santos. Voilà, donc vous allez cliquer sur Edit Mode. Vous avez donc votre fichier que vous avez téléchargé, le fichier qui était à l'intérieur, donc je vais vous montrer que c'est bien le même, French Ranger ONF. Donc French Ranger ONF, vous ouvrez ce fichier et vous sélectionnez, vous allez dans Ranger ONF, vous sélectionnez tous les fichiers qui commencent par P-Ranger. Vous les sélectionnez, vous les glissez, déposez dans votre Open4. Et puis voilà, normalement l'installation est terminée, vous ne devrez pas avoir de soucis, le véhicule est bien installé, vous avez donc aussi la couleur qui est active, donc la peinture, donc vous avez la petite couleur verte sur le véhicule et la plaque d'immatriculation française. Si vous n'avez pas ce résultat là, recommencez, prenez votre temps, il suffit vraiment de regarder cette vidéo attentivement. Vous avez peut-être fait une erreur, il faut simplement recommencer. Voilà, donc pour ceux qui ont des soucis pour installer les véhicules, ça se passe souvent comme ça. Vous allez dans les dossiers mode et vous allez dans le répertoire qu'on vous indique souvent dans le dossier texte installation. Voilà, c'était Choco, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, j'espère vous retrouver bientôt dans mes vidéos. A très bientôt, salut, c'était Choco, ciao ciao.